Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. In this school, you come early, tu viens late. Tu viens tôt. You come early, you don't come late. In this school, you come early. There's more discipline. Just to security number one, ici. Pierre, up, never him. Never him. See head. You come early. You have to put discipline in this school. Hey, stop there. In this school, you come here, you smile. No, you put your face like goat. Souris. Tu rentres ici. Souris. Je dis, tu es sûr que tu vas bien commencer la rentrée ici? Hein? Tu es sûr que tu vas terminer l'année scolaire dans cette école? Ne m'énerve pas. Ton autorité, là, il faut passer sur les enfants. C'est même pas sur les grandes personnes. Là, c'est même qui ça? Qui est-ce que moi? Calme. Calme down. Calme down. I just smile. There's a problem. No problem. Smile. Souris. Smile. Security. Si dans les 5 secondes qui suivent, tu n'es pas quitté devant moi. 5, 4, 3. Il n'a pas reach 5. Allez. Il ne paraît pas quitter. Souris. Smile. Toi là, tu n'as pas goûté. Oui. Tu n'as pas goûté dans ton crâne. Oui. Les camelettes. Tu fais l'école, tu n'as pas goûté. Allez. Allez, les classes. Allez dans ton classe. Allez dans ton classe. Je goûte. Nous goûtons. Nous goûtons. IIL goûte. Donc, comme je t'expliquais là, non, l'école, ça, tu vois, l'école, ça va jusque là, loin là-bas. Donc, l'école, c'est grande. Hein. Mm-hmm. Et ça, beaucoup des ambitions. Ne vois pas la petite barrière là, ça va beaucoup plus loin que ça. Okay. Donc, tu dois. Mais ça, j'ai dit ici qu'il faut toujours laisser là. Oh. Les gens n'ouvrent pas comme ça. Alors que la journée... Bon, là, c'est la salle de réunion. Ah, d'accord. Mm-hmm. OK. Donc, oui. Donc, ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà dit, n'hésite pas. Quel que soit le problème que tu as, tu peux me poser le problème. D'accord. Mm-hmm. Mais, monsieur le directeur, sans vouloir vous manquer de respect, non. Quand vous m'avez appelé, j'étais tellement contente. Donc, je n'ai même pas essayé de réfléchir avant de venir. Juste directement, je me dis non. Maintenant que vous m'avez présenté toute l'école, les salles de classe, la salle de bureau et tout, j'aimerais bien savoir mon rôle dans cet établissement. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, tu sais qu'en 2001, j'ai perdu ma femme. Mes sincères condoléances. Je te jure que j'ai trop souffert. Oui. J'ai même fait une dépression. Vraiment, j'avais perdu goût à la vie. C'est pour moi, c'était la traversée du désert. Je ne m'habillais pas, je savais que les habits, c'était quoi. Vraiment, j'ai trop souffert, mais grâce à Dieu, je vois déjà un peu le bout du tunnel. Tu comprends? Donc, vraiment, j'ai décidé que cette nouvelle année, je devais la placer sous de nouveaux auspices. OK, mais monsieur le directeur, jusqu'à présent, vous ne répondez pas à ma question. Je voudrais bien connaître mon planning au quotidien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça, non. Oh. Donc, quand je vais venir toute la semaine, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Okay. Je ne vais pas seulement venir me balader ici. Oh, ne te dérange pas pour ça. Il y a trop de travail ici. Il y a trop de travail ici. Je dis qu'il y a tellement de travail que tu ne vas même pas savoir par où commencer. Tu comprends, non? Mais donc, comme je te disais d'abord tantôt, là, j'ai senti que... À ce moment, j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de cette école. Tu comprends, non? Okay. Donc, vraiment, c'est un peu ça qui a motivé un peu ce que tu disais là. Mm-hmm. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, j'aimerais bien savoir ce que j'ai pu faire. Pourquoi on me retire la classe de cours moyen 2 pour m'envoyer au cours élémentaire 2? Avec tous les efforts que j'ai fournis pour cette école, avec tous les sacrifices que j'ai fait pour que ces enfants réussissent leurs examens, combien de générations sont passées entre mes mains, monsieur le directeur? Avez-vous pensé à ces enfants?
Qui est-ce qu'ils appelleront encore que maîtresse, maîtresse chérie, maîtresse maman, maîtresse de mon cœur, maîtresse de luxe? Qui? Qui vont encore appeler qui comme ça, monsieur le directeur? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Ce n'est pas normal, non. J'aimerais bien avoir une explication par rapport à tout ça. Tu vois donc ce que j'étais en train de te dire. Donc, ton rôle dans cette école, entre autres, ce sera d'expliquer à cette dame que des remaniements ministériels, là, quand le chef de l'État décide de faire les remaniements, ce n'est pas parce qu'il s'ennuie. Hein? Non, 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 non. Ce n'est pas qu'il joue au damier, donc il prend les gens comme ça, il change. Ce n'est pas ça. Ça obéit à un souci de restructuration cybernétique. Monsieur le directeur, je vous explique un problème. Et vous répondez à je ne sais qui. Hé, hey, rectificatif, je ne m'appelle pas je ne sais qui. Ok, moi, c'est Pénélope. Pour les intimes, agent T. Papa, donne-moi ta fille. Je t'expose un problème. Tu ne me gères pas. Ah, d'accord. C'est votre fille. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Madame Raïssa, vraiment, on peut parler de ça à la direction. Ok? On n'a pas besoin de s'échauffer. On va en parler tranquillement dans la direction. D'accord? Allons-y. Allons-y, je vous suis. J'espère que vous avez bien compris maintenant en quoi consiste votre travail. Pas vraiment, mais oui, ça va. Ok. Allons-y. Allons au bureau. Bonjour, moi c'est Chicha, je suis l'enseignant de la CIL. Je suis dans cet établissement depuis l'époque de M. Ongene, donc j'ai pratiquement 10 ans ici. Et on s'est vu au rassemblement l'autre jour. Donc comme on vous a présenté comme la secrétaire Pénélope, je me dis que forcément vous êtes aussi un peu comme l'adjointe au directeur. Donc c'est la raison pour laquelle je venais vous voir, si vous pouvez discuter avec le directeur pour qu'on change ma classe. Pardon, tu vas rester à la CIL, ok? On a déjà tout organisé dans cet établissement. Et tu ne vas pas venir nous faire changer les choses parce que tu ne veux plus rester à la CIL. Toi qui? Non, je comprends que vous avez entamé le travail, vous avez organisé les choses, mais si on ne peut pas changer ma classe, qu'on enlève Kevin de ma classe, parce que ça fait 7 ans que Kevin est à la CIL. J'ai quand même l'impression qu'il ne veut pas partir. Parfois même, je me suis battu, j'ai fait le bulletin comme ça, j'ai mis passer alors qu'il avait échoué. Quand il revient à la rentrée, il a tout échoué. C'est comme s'il aime la classe, là. Donc, du coup, si on peut l'enlever. Donc, à ton avis, tu es différent de Kevin. Hein? Comment? Tu n'es pas différent de Kevin. Ton intelligence là ne te permet pas d'enseigner une classe supérieure à celle-là. Ok? Tu as la chance qu'il n'y a pas la maternelle ici. C'est là-bas qu'on devait te jeter. Depuis là même, il faut que le directeur me dise concrètement ce que je dois faire dans cet établissement. Je te dis que dès qu'elle me dit ça, non, tu vas me sentir ici dedans. Donc si je comprends là, on ne t'a pas encore dit concrètement ce que tu vas faire, mais tu gueules déjà. Pardon? Attends. Donc, on vient de mettre une autre sans fonction dans cet établissement. Eh, hey, Seigneur, pour que je te parle, que je t'explique. En fait, tu n'es pas la première secrétaire. Hein? Le directeur a une autre secrétaire comme ça. Et... Donc, elle venait, elle partait. Donc, c'est l'ennui qui les chassait. Parce qu'elle restait comme ça, elle ne savait pas ce qu'elle faisait exactement. Donc, tu gagnerais à discuter avec le directeur qui te dise concrètement quelle est ta réelle fonction. Parce que sinon, tu vas errer ici comme ça, jusqu'à tu vas te faire. C'est l'ennui qui va te tuer. Ouais, mieux je rentre dans ma salle de classe où au moins j'ai une fonction, où je fais quelque chose. J'enseigne les enfants, j'enseigne Kevin. Et rentre. Tu vas errer toute l'année. Tu seras là comme le mauvais esprit. Hibou. Regardez-le moi là-bas, pauvre Chicha. Après, c'est vrai. Il ne m'a pas encore dit ce que je dois faire. Il est même où? This country. Madame, donne-moi la galette. Donne-moi les galettes. Ah, the galette too strong like the country. All things just strong. Du. Hey. Ça. Tu comment? Ça va. Moi aussi, ça va. Ah non, non. L'année passée, il y a une autre. On ne parlait pas toi et moi. Who be you?
Tout sort où? Ça ne se voit pas. Je suis venu vendre. Tu as été amené ici. What you bring quand hier? Dieu. God bring you quand hier? Dieu n'a pas amené you à Douala Yaoundé. Il bring you quand pour Péka Michel. Tu fais quoi ici? Mon Dieu, if you want take me go abroad, Amérique. Toi, tu fais quoi ici? Je travaille, I work. Yeah. I work. Ben Gombu. Au job pour m'occuper, mon ching, c'est beau gomme. Agla, au café, ne pia pas pour moi là, d'abord, tu n'y a pas de papa, règle numéro 3. On ne parle pas le patron à l'école. Ah, règle numéro 2. Tu ne m'appelles pas papa à l'école. Hein? Dès que tu me vois en train de causer avec quelqu'un, tu viens te placer. Papa, papa, pourquoi tu as fait ça? Quoi? Ne me détourne pas du sujet. Je suis venu te poser une question. Pourquoi est-ce que tu m'as retiré du cours moyen 2 pour m'envoyer au cours élémentaire 2? Il pose aussi, maison. Qu'est-ce qu'il pose? Security number 1. Ici là. Bon blanc, Nami. Moi-même ici. Vendeuse de bien number 1, c'est moi. Non, non. Tu vois, connais. Moi. Respectez. Parlez avec moi. You talk with me. Le numéro vous respectez. Nami Agetam. C'est moi qui dis directeur, fait, il fait. D'où il do. Comment tu commences? Oui. Nami a déjà géré hier. C'est moi. C'est le boss. Boss. Toi. Anti. La pauvreté, c'est quelque chose. Hein. Les vrais boss ne parlent pas fort. Les vrais boss agissent sous silence. Le président de la République fait le bruit. Raïssa, l'école-ci, c'est notre école. Tous les étrangers que tu vois là vont partir et nous, on va rester. Oui. Tous là, même l'autre petit, la Njanga qui vient de Douala là, tu penses qu'elle a le master? Hein? Qui d'autre comme toi a le master ici? Tu as une licence en ressources humaines. Dès que tu as eu le master à Tchang, je t'ai dit de venir ici, non? Qui t'a dit de venir ici? C'est pas moi. Je t'ai dit de venir ici en attendant de trouver mieux. Alors, bonjour, chers élèves. Bonjour, madame. Ça va? Vous allez bien? Oui, madame. Ok, je m'appelle madame Frida. Je viens fraîchement de Léniège. De Douala. C'est vrai que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais on va faire avec. Oui, madame. Le principe est très simple. Je suis là pour vous dispenser les cours tout au long de cette année. On est d'accord? Oui, madame. Alors, je n'ai pas de problème avec vous. Vous n'avez pas de problème avec moi. Hein? Le jour que tu vas connaître qui est boss ici, là, qui gère même le thé ici, tu vas fermer ta bouche. Tu m'as dragué. Je te drague quand tu vas m'amener où? Dragué, talk with me. Because tous les jours, donc je suis un teacher. Tu souris, you ride life with teacher. Tous les jours, je suis un teacher. Il y a quelqu'un chose qui passe avec toi, là. You are a teacher. Donc je vais sortir avec quelqu'un, je vais faire les yeux doux à quelqu'un, c'est un teacher qui va faire les yeux doux. Moi, je vise au haut. Teacher va m'amener où? À part nourrir la pauvreté avec la pauvreté. Tu es la seule ici qui a son salaire qui est payé par la mairie. Tu te déranges pourquoi? Tu te casses la tête pour une histoire de coût moyen 2. Coût moyen 2, c'est quoi? Raïssa, tout ça, c'est le management. C'est le management. De toutes les façons, management ou pas, si toi, mon père, tu n'es pas capable de défendre mes propres intérêts, si toi, mon père, tu n'es pas capable d'aller dans cette salle de classe et de la retirer de là, moi-même, je le ferai. En tout cas, reste là, tu vas entendre. Oh, Raïssa, je vais te parler comment. J'attends que vous soyez des élèves studieux, des élèves intelligents, des élèves soucieux du fait que leurs parents souffrent pour les envoyer à l'école. Hein? Donc, évitez de me faire bavarder. Évitez de me rendre brutal, parce que si je deviens brutal, c'est très mauvais pour vous. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, madame. Ok, aujourd'hui on va parler de la présentation générale du cours moyen 2. The presentation general of... Mais attendez, c'est quoi votre problème? État de la parole. Je t'ai parlé depuis que je suis entrée ici. Il y a quoi là-bas? Ça chauffe. Apparemment, Madame Raïssa est partie importuner la métisse de Douala. La villageoise là, ne veut pas comprendre que sa place est au CE2 de l'année-ci. Faudrait déjà que tu intègres dans ton petit cerveau là que cette salle de classe n'est pas la tienne. Je suis la maîtresse officielle du cours moyen 2. Je ne vais quand même pas me mélanger à ce genre d'histoire. Et comme tu sors là, ne reviens plus jamais ici. Ce n'est pas ta salle de classe.
Raïssa, elle connaît ici. Parce que c'est l'enfant du directeur. Elle a enseigné quoi, on a vu. L'ambenguiste de Douala sort fraîchement d'une école. Ça veut dire qu'elle va nous sortir les ministres dans ce pauvre village. Vous êtes là, elle a enseigné qui, on a vu. L'année passée, elle a d'abord sorti quel pourcentage. Je sais, dis donc. Bien, les enfants. Oui, madame. Ça va? Oui, madame. Vous me connaissez, non? Oui, madame. Je suis la maîtresse Raïssa, votre maîtresse chérie, votre maîtresse de luxe, la maîtresse de votre cœur. Oh, je serai la seule maîtresse cette année. Est-ce que vous comprenez? Je serai l'unique maîtresse du cours moyen 2. Voilà. Vous savez quand on doit préparer... Madame Raïssa, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous voulez semer la zizanie dans cet établissement? Hein? Vous ignorez qu'on vous a affecté? Vous n'êtes plus maîtresse du cours moyen 2. Qu'est-ce qui vous arrive? D'abord, allez m'attendre à la direction. Ah non, monsieur le directeur, c'est pas aussi simple que ça. Parce que tout à l'heure, elle m'a donné la frayeur de ma vie. Je suis quand même l'enseignante de cette salle de classe. Ça, alors, il est inadmissible que n'importe qui entre n'importe comment pendant que je suis en train de dispenser mon cours. Je ne vais pas accepter ça. Vous avez parfaitement raison. On va s'en occuper. Toi, vous m'attendez au bureau. Allez-y. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Il y a eu quoi? Je n'ai rien vu. Elle a failli me boxer. Non. Tout va s'arranger, ça je vous le garantis. Les enfants. Voilà, sachez à partir d'aujourd'hui que votre seule maîtresse du coup moyen de, c'est la maîtresse. Rita. La maîtresse. Rita. Très bien. Voilà, donc vous allez être des enfants disciplinés, qui suivent bien les cours et qui ne font pas le désordre, n'est-ce pas? Des enfants qui veulent réussir à leur examen en fin d'année. Voilà. Qui veut obtenir le CEP? Applaudissez pour vous-même. Très bien, les enfants. Allez, bonne journée à vous, hein? Et surtout, bonne chance. Ok, bonne journée, madame. Merci, monsieur. Mais vraiment, il faut tâcher à ce qu'elle ne vienne plus ici. Oui, je vais la tâcher. Hein? Je vais l'attacher s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Je m'en occupe. Alors, les enfants. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Vous ne pouvez pas aller dans vos différents postes. Mais, monsieur le directeur, je voudrais vous parler. Finalement, mon rôle dans cet établissement, c'est quoi? Oui, ma fille. N'est-ce pas tout à l'heure là, je t'ai expliqué quel était ton rôle. Juste que tu as secoué la tête comme ça que tu as compris, non? Tu as le trou de mémoire. Je t'ai bien expliqué. Donc, c'est exactement comme je t'ai dit là. Tu comprends, non? Voilà. Jusqu'à présent, il n'est rien compris. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.